Allez, salut à tous les amis, c'est Lantouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'autre. Oh yeah, je suis tout seul évidemment aujourd'hui parce que je tourne cette vidéo dans la, en continuité avec donc celle avec l'épisode précédent. Là je tourne ça dans le même après-midi, donc en gros je vais faire une session d'à peu près 2 heures, 1 heure pour chaque vidéo. Ou alors je vais voir si je vais pas couper en 30 minutes chaque vidéo pour faciliter l'upload. Enfin, bref, ça c'est de la logistique, bref, ça ne vous concerne pas, ce n'est que pour moi. Enfin bref, je fais une session l'autre cet après-midi. Bon, ce qui ne veut rien dire pour vous, comme je l'ai dit juste avant, si vous regardez ces vidéos bien après, bah bref, c'est grave. Mais bref, comme je le redis encore de cette fois dans cette vidéo, encore une fois dans la vidéo, dans cette vidéo, oh, je m'embrouille, c'est n'importe quoi. Je vais faire des grosses sessions à partir de maintenant sur l'autre, histoire de finir le jeu, enfin d'avancer vraiment. Et de finir le jeu assez rapidement pour libérer une place pour un autre let's play. De même que pour Black and White, que je ferai d'ici peu aussi, une session. Pareil pour Civ 5, on va faire une grosse session pour passer à la, Civ 5 en multi, pardon. Bref, vu qu'on est l'été, ça va être la saison, encore une fois, hein, deuxième fois que je dis saison, même troisième fois. Ça va être la saison des grosses sessions. Hein, ouais, des vidéos d'une heure, enfin ça dépend. Pour les vidéos du style Seigneur des Anneaux, SimCity, je vais rester sur un format 40 minutes, 30 minutes. Voilà, quand même. Pour que, bon, enfin, pour pas que j'ai trop de d'encodage à faire par rapport à YouTube. Mais ce n'est pas la question, nous sommes donc repartis pour du l'autre et ça commence à devenir vraiment intéressant. On commence à toucher pas du haut level, mais c'est pas mal quand même. Là, j'apprécie vraiment. Eh bien, je vous propose de partir tout de suite. Nous sommes toujours à Mirkwood, nous venions de défoncer le troll et nous sommes à la recherche de Radagast, le pote de Gandalf, soi-disant le magicien brun. Voilà. J'ai toujours une potion de robustesse, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah, des araignées. Bon, ben pour les arachnophobes, je ne vous conseille pas de regarder. Ah, ben tiens, des orques qui se font défoncer par des araignées. Putain, c'est... Wow, mais c'est pas des petites tapettes d'araignée ça. Eh, ça fait du dégât mine de rien. Donc j'ai toujours mon nouveau stuff sur moi. Alors j'ai oublié le nom. J'ai toujours j'ai changé l'apparence de mon nain. Je lui ai mis les yeux bleus, je lui ai mis un air un peu plus vieux, je lui ai mis les cheveux blancs. Bref, il a complètement la classe. Et Radan a le fou des jeux vidéo devait partir malheureusement cet après-midi. Donc il a commencé mais il n'a pas fini avec moi, c'est pas grave. Du coup, Eradan a changé de stuff, qui est vraiment sympa. Regardez, je fais un zoom. Il a choisi l'épée que je lui ai filée. Enfin, je leur ai filé beaucoup de matos, des anneaux, des armes, des armures, plein de choses. Et ils s'en sont équipés. Voilà pour les explications. Donc, c'est parti en avant pour l'histoire. J'essaie de récupérer un maximum de stuff, surtout à jambière de verte. Araignée géante. Oui, ça, c'est votre problématique. Non, je disais. Cri de guerre. Cri de guerre qui bien sûr me permet de régénérer ma vie. Bon ça va, elles sont pas. C'est des araignées. Par contre j'ai l'impression de prendre plein de debuffs. Non, pas de poison, non c'est bon en fait ça va. Ok, paf. Allez, à la pelle. Ah, il y en a plusieurs, ah d'accord. Ah ok, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs en fait. D'accord. Ouh, ça elles ont pas aimé ça. En fait, je vais me casser, je vais aller dans la sphère de lumière. Voilà, super. L'IA est vraiment pas très conne. Enfin, pas très conne. En même temps, à mon avis, c'est pas super compliqué de coder par rapport à un certain pourcentage de vie. Vous voyez, par exemple, quand les potes ont besoin de... arriver à un certain niveau de santé, elle balance sa sphère de lumière. Et ça, c'est vraiment sympa. Eh, mais c'est vraiment des petites saloperies. C'est de l'XP facile. Par contre, qu'est-ce qui branle l'autre? Ok, il est à l'arc, il est comme ça. Ah, je suis gravement blessé. Gravement blessé, merde. Ouh, ça ils ont pas aimé. Ah, je vais l'aider vite. Si l'elfe meurt, on est dans la merde. Putain, elle a pas aimé. J'ai l'impression. Elle est buggée ou non? Non, c'est. Ok, c'est bon, allez, elle est décédée. Bon, petite embuscade d'araignée, hein. En début de vidéo, ça fait plaisir. Ok, hop, les petites dernières. J'ai augmenté le son d'ailleurs de l'ambiance pour que ce soit bien plus agréable pour vous. Je vais peut-être le. Oups.
Je vais peut-être encore augmenter un petit peu. C'est vraiment pour vous. Au pire, je peux baisser ça au montage. Non, c'est vraiment histoire que... C'est pour votre expérience, pour que voilà, ce soit le plus plaisant possible. Je vois que... Est-ce que ça, je l'ai pris? Non, je l'ai pas pris. J'essaie de récupérer un maximum de carreaux, parce que je n'ai plus de munitions. Plus vraiment de munitions. Champignons, on peut pas les récupérer. Et il faut que je régène. Hop. Je vais prendre une potion de puissance, parce que là... On est dans un endroit... Ouais, il y a pas mal d'araignées. Ah, bah tiens, encore une embuscade. Attendez, je récupère tout le matos parce qu'il me faut des carreaux. Il me faut des carreaux. Il y a des terriers ici. Je déteste le bruit des araignées. Ah, génial, merci. Paf. Un cri de guerre. Allez, là, alors, ça me permet de régène. Et bien sûr, de faire un maximum de dégâts grâce à mes nouvelles compétences. Je vais bientôt passer niveau 17. Ça, ça tombe bien. Ah, elle est vraiment bien faite l'araignée. J'aime beaucoup. Vraiment sympa. En plus, elle meurt sur le dos. Elle meurt sur le dos. Ah, Eradan s'est fait défoncer. Ah, attendez. Ok, non, c'est bon. L'elfe est allé. Ok, tu veux pas mettre ta sphère de lumière, s'il te plaît, ma chérie? Parce que là... Ah, voilà. Mais il suffit de demander. Oh. Oh. Ouh, magnifique. Je récupère un peu ma vie. Ce cercle de guérison est juste pété à ce niveau là hein. C'est fou. Vous imaginez en coop si le mec monte bien l'elfe. Putain, mais en guérison elle doit être mortelle. Alors, à mon avis c'est pour ça que le jeu est hyper dur. C'est parce que comme il est fait pour être joué plutôt en coop. Oh non, putain, pas les archers. Vu qu'il est fait pour être en coop, disais-je, ben voilà, les vagues d'ennemis sont plutôt longues et... Et bon, après, c'est vrai que lorsque les sorts de guérison de l'elfe sont bien pétés par rapport à la DJ, bien sûr, prendre objet. Ah, cool. Ah, des potions de puissance, je vais m'en faire une, j'ai assez, hein, j'ai 20. 20 potions. Bon, les gars, je vous laisse vous les faire. Enfin, allez, je vais essayer de m'y mettre un petit peu quand même, il va falloir vraiment que je m'achète une arbalète digne de ce nom. Fasse vraiment plus de dégâts parce que là j'arrive même pas à me faire un archer. Quoi? Oh putain. J'ai pas fait gaffe. Lui il m'a fait peur. Bah écoutez, je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Non, c'était le mauvais bouton. C'était le mauvais bouton encore une fois. Non allez, c'est bon. Non mais lui c'est dégueulasse. Lui la tête chercheuse. Bon attendez, je vais l'aider lui. Oh. La potion de santé, j'ai 4 potions de santé. Non, on va se foutre là. Est-ce que j'ai le cri de guerre? Je peux pas le... Merde. Ah, le coup critique. Allez, le petit coup critique, pitié. Oh, il a pas aimé. Ah, là, il est assommé. Superbe. On voit que cette compétence est très utile. Parce que, bien sûr, j'ai amélioré... j'ai mis des runes sur ma hache double que j'ai acheté chez les nains. Résultat, je peux faire des coups assommants quasiment tout le temps. Quand je fais des attaques... Oh, il m'a défoncé lui. Cri de guerre. Cri de guerre, cri de guerre. Allez. Alors par contre, je vais pas pouvoir les gérer à deux là. Voilà. Donc, au lieu de viser les archers, si vous pouviez m'aider. Non, lui. Ah, on va essayer de viser le gros. Ok. Tu veux jouer à ça? Voilà. Comme ça, c'est fait. Oui, j'avais oublié que je pouvais utiliser les aigles. Putain, mais décidément. Ok, tout le monde est mort. On peut continuer. Ouh, joli petit ruisseau. Non, en fait, tout le monde n'est pas mort. Est-ce qu'il y a des tas de... Ouais, super. Est-ce qu'il y a des potions de vie? Non, il n'y a que des potions de puissance. On va en prendre une. Vraiment, vu que j'arrête pas d'en gagner. Allez, vas-y, crève. J'ai 36 carreaux, c'est plutôt pas mal. Putain, le mec, il a 15 000 flèches, il crève pas. Sérieux, les gars, quoi? Alors, à toi, est-ce que je peux... T'as, vous voyez, ça, c'est vraiment con. Ah, si, je peux le toucher. Pardon. Allez. Oh, je suis deg. Oui, c'est bugué ou bien? Non, d'accord. C'était un petit peu bugué, oui. Allez hop, on cavale les gars. Ah, on commence à voir la lumière du soleil. Oh, la maison de Radagast qui est complètement swag, il faut bien le dire. Je me tais pour la cinématique. T'as le mec, son apesanteur, tu sais.
Vraiment joli comme endroit. Ah, c'est sans doute la demeure de Radagast. Elle a l'air plutôt paisible. Qu'insinuait le sorcier quand il a dit que nous arrivions trop tard? Ouh, très joli plan. Ah d'accord. Bon, allez, c'est parti pour un boss araignée. On va leur faire bouffer leur toile. Croyez-moi. Ah, je déteste le bruit, ça me donne des frissons. Non, c'est juste des... cris de guerre. Ah, attends. Est-ce que je suis passé niveau 17? Non, pas encore. Allez, on va finir cette araignée, on va passer niveau 17. Eh, niveau 17, les gars. Bon, on va pas balancer les stats maintenant. Yeah, super. Hop. Bon, là, c'est du cadeau. Comment ça, je la touche pas? Voilà, coup final, 92 d'XP dans les dents. Je suis niveau 17. Ok, c'est juste le comité d'accueil, c'est pas grave. Ah non, non, en fait, c'est pas juste le comité d'accueil. Il y a toute la famille qui suit derrière. Attendez, hop, je me faufile. Oh! Cri de guerre! Oh putain, alors ça c'est du mille de dégâts dans ta face. Alors bien sûr, faut viser les grosses araignées en priorité. Volée de coups. Volée de coups. Putain, là ça moissonne. Ça moissonne sec. Ça moissonne sec, là je fais que du... C'est bon. Oh là là là, les enchaînements de tarés. Je me douche dans votre venin. Ah ouais, sympa, sympa, sympa. Merci Andriel. Ça fait toujours très plaisir. Hop. Yeah. Oh, 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 oh. Tellement de bonheur, je récupère ma life, j'en profite. Et lui avec son arc qui est vraiment très beau. Et c'est vraiment bien fait l'animation de l'arc, hein. On voit vraiment la flèche partir, se planter dans le corps, voilà. Non, mais ouais, je vous l'ai dit, il y a plein de petits détails sympas sur ce jeu. Il y a de bonnes intentions. C'est bon? Non, ok. En fait, ok, on va se prendre trois phases pour chaque perso qui va demander « Radagast, vous êtes là ?» Et apparemment, ben voilà, ça plaît pas trop aux araignées. Bon, ben c'est parti, hein. En fait, il faut que je... voilà, priorise les morts critiques parce que ça fait un max d'XP. Volée de coups aussi, ça marche pas mal. Alors, cri de guerre, cri de guerre. Viens, saloperie. Hop, hop, hop. Eh, ben on gagne vraiment l'XP. Ok, c'était la dernière phase. Wouh! Récupérer le bâton de Radagast. Où ça? Ah oui, ici. Attendez, je passe mon niveau, s'il vous plaît, les gars. 3 points restants. Donc, comme je vous l'ai dit, on va... paf. On va augmenter un peu la résistance encore. Parce que, vu les mastodontes orques qu'on a, c'est chaud, hein. Bien sûr, avec le petit point force, histoire d'augmenter nos dégâts, on est à 444, 548 de dégâts, 564 d'armure. Surtout si j'améliore mon stuff, si jamais on tombe dans une ville et que j'ai la possibilité de forger. Confirmé. Alors, maintenant, on va choisir les... paf, cri de guerre. Le cri de guerre permet au nain d'ignorer les coups lourds et augmente l'armure des membres de la communauté proche. Ça, c'est épique. En bloquant, appuyer sur blablabla pour assommer l'ennemi, augmente également l'armure du bouclier. C'est bien, ça. C'est super bien. Je pense qu'on va aller plutôt par ici, hein. Le cri de guerre, ouais. Ça fait quoi? Le cri de guerre déplace l'attention des ennemis sur le nain et inflige des dégâts plus importants aux adversaires proches. Réduit le temps de rechargement de vos compétences actives. Ah putain, ça, j'hésite. J'hésite parce que ça c'est intéressant. Effectivement, ça c'est quoi? Quand vous l'activez, le cri de guerre régénère temporairement la santé du nain, les membres de la communauté. Ça aussi c'est pas mal, hein. Augmente la régénération passive de votre santé. Putain, ça c'est énorme. Près d'un allié à terre pour leur ennemi. Oh, ça c'est énorme! Putain! Mais en fait c'est génial. Je découvre toutes les compétences. Là je... Fouh! C'est fou. Ça c'est bien, mais je... Putain, je pense que... Bon, vu à la vitesse à laquelle on prend des niveaux, au pire, je peux en enlever ici. Regardez, remplacer le balayage par une attaque de zone et fait dévastatrice ici. Un marteau, une... Ah, oh, quoique, c'est pas mal, ça. Alors, augmente les dégâts des attaques dévastatrices, coup percutant et vague percutante. Ça, à la limite, je m'en fous. Je peux pas le supprimer. Ah, putain, fuck, je peux pas le supprimer. Ah, shit.
Mais du coup, j'hésite, hein. Allez, je pars sur la régénération passive. C'est parti. Ouais, parce que, bon, vu que je suis le gros tank qui prend tous les dégâts, ça va être tendu. Mais il a vraiment des capacités intéressantes. Ok, bon, du stuff inintéressant à part des popos de santé. Le bâton de ouf, nouvel objectif de quête, trouver Radaga, ce magicien disparu. Je veux juste voir si je peux rentrer dans sa baraque. Évidemment non, ça aurait été cool, franchement, ça aurait été sympa. Comme bonus, comme zone secrète. Ils auraient pu faire ça, ça aurait été cool. Bon, vous voyez là, toujours, hein, classique. L'arène, Topaz Lys, potion de puissance. Ok, c'est parti, on rassemble l'équipe. Ouh, total niveau secret trouvé 0. 0-0, bon bah il y avait 0 secret à trouver, c'est parfait. C'est parti. Faudrait que je change de perso, putain je suis con. Je me dis ça au moment où j'ai la possibilité de changer de perso, c'est pas grave. Au prochain coup, je passerai sur Eradan pour lui filer un stuff, enfin voilà, pour essayer de gérer ses compétences. Ou alors non, on essaiera de prendre l'elfe. Ouais, parce que l'elfe, on l'a jamais joué. Et Radan, ça peut aller. Voilà, pour lui filer un stuff qu'on a. Parce que là, je sais pas ce qu'elle met exactement. Mais bon, voilà. Vous m'avez compris. Est-ce qu'il y a des... Ces bois sont remplis de rocailles. Des items, écoutez, non. Remplis de rocailles. Ouais, c'est bien ça. Hein, c'est Saruman, l'enfoiré. Nous devons le trouver avant les orques. Ouais. Par contre, c'est... C'est tendu ici. On dirait des bruits de zombies, les gars. On se croirait dans Dead Island. Ah, bonjour. Oh yeah. Oh, alors toi, t'as voulu mettre un coup de pied. Je pense que tu vas le regretter. Voilà, toi t'es décédé. Oh. Oh. Tu ne parles pas. Putain, il peut pas faire. Oh, putain, le mec il s'est téléporté, j'ai pas compris. Putain, il peut rien faire, le gars. Oh. Oh. Oh, décapitation, 254 d'XP, c'était beau, là je vous aime. Vous me vendez du rêve. Bon, lui, vous me défoncez, hein. Voilà. Faut pas oublier que j'ai encore une attaque d'aigle, hein. Voilà, comme ça vous le terminez. Finissez-le, ce vieux sac. Ok, c'est bon. La voie est libre, je regarde toujours s'il n'y a pas du stuff sur le bord de la route. Ah, vous voyez, par exemple, ici. Ok, non, en fait, c'était une grosse illusion. Le putain de mur invisible de la mort qui tue. Et ma potion de robustesse ou je ne sais quoi fait toujours effet. Hein. Bonjour. D'accord, je viens de dépenser un carreau pour rien. Allez, viens là. Hey. Oh. Oh, il a pas aimé. Oh, il a pas aimé. Il a plus de bouclier, je lui ai pété son bouclier. Putain, je l'ai défoncé. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est ça, viens, viens, viens. Oh yeah. C'est ça, vas-y. C'est ça, vas-y, viens. Hop, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup la garde. Hop, voilà. Toi, t'es mort. Bon, toi, tu n'es qu'un détail. Après, il y a ton. Il y a encore ton pote. Le kit de garde là. Du bonheur. Allez, c'est ça, viens. Putain, il y a un archer là. Oh, oh, le marteau qui gît de son corps. Oh là 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 là. Bon, les archers, hein. Taper sur l'haricot, la petite bonne. La petite popo. Voilà. Toi, je te démembre. Un saphir brut, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, la décapitation. Phew. Là, ce jeu me vend du rêve. Hein. C'est jouissif. Vraiment, je vous le dis, là, c'est jouissif. C'est d'une force. Mon dieu, mon dieu. Ah, putain. Alors. J'ai un problème de durabilité au niveau de mes gantelets qui n'ont plus que 20 de durabilité. Quand je serai à une ville, il va falloir que je répare tout ça. Il faut que je trouve un forgeron. Après, au niveau des armes, ça va. 3%. Ouais, non, c'est pas génial. Ça, c'est de la merde. Ok, c'est parti. On peut continuer. Allez, hop. J'espère me trouver tous les secrets possibles et inimaginables. Ok, encore un mec. Faut pas oublier que j'ai l'aigle, les pigeons qui... Enfin, les corbeaux qui volent... Qui vole à deux à l'heure. Nous devons nous serrer les couilles. Les coudes, voyons, pardon. Cri de guerre. Prends ça. Schlag. Et il est coriace, hein.
Who? Ah. Who? Ok, décédé. Maintenant, on se fait cela. Ils sont vraiment pas très compliqués. Ce sont des orques de pacotille. Hop. Tac, 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 tac. Vas-y, mets la sphère de lumière. Non, c'est la sphère de lumière. Cri de guerre. Cri de guerre, cri de guerre. Coup de boule. Superbe. Vas-y, vas-y. Hé, oh, j'étais en train de... J'avais ma garde, là. Bon, allez. Toi, t'as pas compris la vie. Je vais t'expliquer encore. Voilà, décapitation. Fallait m'écouter. Toi aussi, par derrière. Parce que tu n'écoutes pas tonton. Tonton l'entouplé. Putain, et l'XP qui... Enfin, l'XP, ça rentre. Ça rentre. Mais ça rentre. Oh, ça rentre. Non, aucun mauvais jeu de mots, hein. Si vous avez pensé à un truc malsain, c'est que vous avez l'esprit mal tourné. Oh yeah. Super. De l'XP à foison. Oups, j'ai fait n'importe quoi. Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre. Allez. Yeah. Déstabilisation. Tu ne peux rien faire. Vas-y, attaque-moi, attaque-moi, attaque-moi. Ok, d'accord. C'est pas exactement comme ça que je voulais que tu m'attaques. Ah, ok, tu me tournes le dos. D'accord. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Qu'est-ce que tu m'as fait, Patrick? Ok, finissez-le, lui, c'est parfait. Vraiment, on forme une très bonne équipe. Qui mènent plus profondément dans les bois. Ah ouais, je remarque ça, ouais. Traînait quelque chose. Est-ce que je peux passer... Oui, je peux passer par là. C'est une excellente question. Attendez, vu que là c'est tout droit, on va essayer de passer de l'autre côté. C'est quoi cette épée que tu m'as pris là? Putain, on dirait une épée de... Une épée orientale avec du feu. Waouh, t'es swag mon petit Eradan. J'aime. Tu me vends du rêve là. On va passer à droite. Faut toujours aller à droite. Parce que... Ah ah, le secret. Le secret. Ça sent le secret. À moins que non. Non, en fait, j'ai complètement de la merde. C'est pas le secret. On se taille. Putain. Il y a un truc ici. Non, il y a rien. Attendez, en fait, on recule. Ah ouais, non, en fait, ça revenait au... Aya Erendil. Aya Erendil. En fait, il y a rien ici. D'accord. Il y a un mec qui me suit là. Oui, voilà. Oh. Oh. Ah oui. Oh là là, cet enchaînement. Voilà, décapitation. Toi, tu vas faire le plaisir d'aller manger ta soupe. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, mais c'est pas grave. Laisse-moi boire ma popo tranquille. Voilà. Et regarde ta tête rouler sur le sol de la déchéance. Hop là, bouclier endurci du feu d'Uruk. Inspecter. Allez hop, un secret de découvert. Ça c'est pour Bibi. Ah putain, j'ai failli j'étais là, quoi? J'ai pas vu ce qu'il y avait, gants du royaume sylvestre. Bon, des gantelets de... Attendez, nous on est fous, on regarde les gantelets. Royaume sylvestre, 6% de régène santé, plus 20 dégâts, plus dégâts réduits de plus 3. Ah carrément, je les prends, hein. Oh, je les prends, ils sont épiques ces gantelets. Même s'ils ont un peu moins d'armure, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a? Encore un marteau à la de merde. Ouais, non. Rien ne vaut ma hache abusée. Et Zuta, je me suis un petit peu paumé. Allez hop, le cri de guerre. Putain, ils sont tendus les mecs, hein. Ils sont tendus. Je vais reprendre une potion de puissance. Faut faire attention à pas trop en... On va pas trop en boire, hein. Bah, toi tu vas mourir. Eh, ils sont chiants à charger les gars. Mais qu'est-ce que tu fous, t'es où? Mais tu vas crever toi. Mais crève. Bon, d'une pipe. Vas-y, attaque-moi, attaque-moi. Putain, mais... Fais l'erreur de m'attaquer... Juste une seule fois. Il est parti où, l'autre? Ok, elle l'a réanimé. Bon, alors, toi, tu n'es qu'un détail. Voilà, tu n'es qu'un détail. C'est bien ce que je disais, tu n'es qu'un détail et tu n'as plus de bras. Alors, ok. Who? Ah, who?
Oh, comment je vous troll. Yeah. Allez, meurs. Ouh, ça tu l'as. Putain, hey, il frappe dur. Hein. Voilà, 140 XP. Ça fait du bien. Mais en fait, il y a des zones. Ouais, c'est pas con. Je régène ma vie. Attends, il y a une zone là-bas. Il y a trop de zones à faire. Faut que j'aille dans le camp là-bas. Faut retourner là-bas. Faut retourner là-bas. D'abord, je régène. Et après, on va retourner là-bas. Après, on va retourner là-bas. Ouais, donc pour l'instant il n'y a rien. Je récupère tout le matos qui est tombé. Des carreaux, surtout des carreaux, voyez-vous. Est-ce que j'ai pris le matos? Si, ouais, le secret était là. Vraiment sympa cette zone là. Je commence à. Enfin, non, je commence pas puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, je prends mon pied. Je sais pas si ça peut s'entendre d'ailleurs, mais bon. Ici, j'ai déjà tout récupéré. Là-bas, je vois qu'il y a du stuff. Des pièces. Oh, 10 pièces, voilà. Hein. C'est toujours ça de prix. On va juste aller à droite. Voir ce qu'il y a dans le camp là-bas. Et je vais bientôt monter niveau 18. Ok, il y a des archers. Bon, s'il y a du stuff, voilà, ce serait cool. Et après, on pourra aller dans la prochaine zone. Surtout pour récupérer le max de secrets possible. Voilà, merci, tu m'as décalé ton pote. Oh yeah. Oh, tu es déstabilisé. Je t'ai défoncé. Tu n'as rien compris, je t'ai défoncé. Bon allez, occupez-vous-en. Ah, le sac. Le sac, il a bougé. Ah, mais du coup, elle, là, quand je fais mon cri de guerre, je leur augmente leur armure. Et ton épée de feu est vraiment abusée. Hein. Voilà, coup final, 134 d'XP. Alors, vraiment, là, ça devient n'importe quoi. C'est du moissonnage. Comme je disais tout à l'heure, c'est du moissonnage. Nouvelle quête, le prisonnier. Ah, bah tiens, une quête annexe. Bonjour. Bonjour. Toi, tu t'écartes tout de suite. Le cri de guerre. Salope. Pardon, excusez-moi. Ça m'a échappé. Voilà. Ah. Yeah. Et non, mon gros. Aïe. Et ne me mets pas des coups dans les fesses. Bon, toi, je vais t'aider parce qu'avec cet archer, t'as l'air de galérer un petit peu. Cri de guerre. Voilà. La petite popo de puissance qui fait du bien. Et la sphère de lumière aussi qui fait du bien. Aïe. Et s'il vous plaît, me faites pas descendre. Ouh, ça tu l'as pas volé. Assommé le pauvre, il peut rien faire. Putain, et avec ce nombre de dégâts que je fais, meurs. Voilà. Holy shit. Mais putain. Alors on pète les caisses, on récupère de la thune. Plein de thunes, plein de thunes. Chien de fer. D'accord. Alors est-ce que j'ai fait la quête? Non, j'ai pas fini. Non, d'accord. C'est un mini donjon. Ouh. Des grèves des mines d'huile. Sympa. Sympa, sympa. Bon allez les mecs, finissez-les. Finissez-les. Moi pendant ce temps-là, je récupère tout le stuff. Quoique j'ai 40. Ouais, c'est sympa. Allez. Histoire de mettre mon petit grain de sel. Ok, il est décédé. Ah, bonjour, nouvel objectif, libérer l'elfe. Par là. Et Radan. Ils ont un prisonnier. C'est un elfe. Ok, on le laisse ici, c'est un elfe. Bonjour. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. J'avais perdu tout espoir avant votre arrivée. Putain, les détails sur les visages sont vraiment énormes. Un elfe du royaume. C'est vraiment lisse, c'est très beau. Nous avons pour habitude de nous méfier des étrangers, mais je n'ai jamais été plus heureux de voir des visages inconnus. Ah bah de même pour moi. Alors que le royaume sylvestre, on s'en branle. Comment avez-vous atterri ici? Ravi de vous avoir rendu service. Je suis Farah et voici mes compagnons, Andriel et Radan. Comment se fait-il que vous vous soyez retrouvés dans une telle situation? Excellente question. Je suis l'un des gardiens du roi. J'ai l'impression vraiment que les dialogues sont vraiment pas assez forts. Galeron et moi
Étions chargés d'explorer cette partie. Je vais les mettre à fond parce que... Nous avons découvert un rassemblement d'ennemis ici. Mais j'ignore quel est leur objectif. D'accord, et ton pote est décédé dans les abysses ? Radagast le Brun qui demeure dans les environs. Mais oui, comme tout le monde. Le danger s'est intensifié au fur et à mesure que nous approchions de chez lui. Mais... Et vous ? Comment se fait-il ? Bah en fait, nous, faisions une randonnée, tu vois, on chassait les araignées, si tu veux, et en fait, on est tombé sur toi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes à la recherche de Radagast. Adieu, c'est genre le mec. Également Radagast, mais il semblerait qu'il soit en difficulté. Ouais, apparemment j'ai son bâton. Une elfe, un homme et un nain. Qu'est-ce que t'as ? T'as un problème ? Il y a certainement une histoire intéressante là-dessus. Le mec ! Radagast est certainement en grand danger. Non, je déconne, c'est sale. Je viens de penser un truc immonde. Où est votre ami ? Ouais, parce que. Où est allé ce galant ? Hélas, je l'ignore. Ouais. Nous sommes tombés sur une bande d'orques. Et le mec il s'en fout, tu sais. Les combattions, des araignées ont commencé à tisser leur toile depuis les arbres. J'ai été pris au piège et les orques m'ont enlevé. J'espère que Galron. Et tu vois en fait son pote s'est fait bouffer par des araignées de la manière la plus conne qui soit. Collabore de cette manière est de très mauvais présage pour mon peuple et surtout pour Galron. Nous devons le retrouver. On va t'aider hein. Nous allons vous aider à autant faire les quêtes annexes, écoutez. Tant que ça me rapporte du level et du stuff. Je vais chercher mon ami et vous trois allez partir à la recherche du sorcier. J'essaierai de vous rejoindre une fois que j'aurai retrouvé Galron. En fait, je sais. Ah mais je vais chercher mon ami et vous. OK, d'accord. En fait, tu veux qu'on aille OK, c'est parfait. En fait, je sais la prochaine fois qu'on sera dans un endroit pacifique, on va dire. Entre les missions, on ira au camp des rôdeurs et pour aller parler aux forgerons et tout ça. Ouais, on va faire ça. Ok, bon, on a tout le chemin vers ça se retaper. Super. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, je m'éclate comme un petit fou. Vraiment, là, ça me fait plaisir. Une petite après-midi, voilà, tranquille, en vacances. Sur le Seigneur des Anneaux. Voilà. Super, j'en avais pas fait depuis longtemps et puis il faut que je le finisse ce jeu, hein. J'ai envie de savoir la fin. T'as changé d'épée encore ? Qu'est-ce que c'est que tu... C'est quoi ce coup près de merde là ? Non mais prends ton épée de feu badass. Eradan, oh là là, fais pas l'enfant voyons. Bon, si on peut j'aimerais bien le choper d'ailleurs. Ah non, j'avais dit que je prenais l'elfe. Je prendrais l'elfe, pardon. Oh putain ! Encore des autochtones. C'est pas possible. Eh, vous n'en finissez jamais vous hein. Viens là, toi. Oh yeah, j'aime quand tu fais ça. Tu me vends du rêve là. Par contre, à deux là, comme ça, non. Pouh, fais une galipette sur toi-même. Cette charge est vraiment déstabilisante, c'est le cas de le dire. Vas-y, viens là. Non, c'est pas toi que je voulais viser. Eh, attends, je... Oh. Putain mais oh Jackie là, s'il te plaît. Oh, comment j'ai stoppé ta charge. Oh, la popo de la délivrance, la popo du bonheur. Oh putain, c'est vraiment cheaté les popos de santé dans le jeu. Enfin remarque, vu comment le jeu est difficile, vu la difficulté, ça se comprend. Et au final je vais pas me plaindre. Putain, mais ils ont vraiment des sales gueules, ces archers ou rukai. Ouais, là t'as plus de jambes, maintenant tu ressembles encore plus à rien. Donc c'est. C'est quoi ce bordel? Apparemment c'est par là. Oh non, me dites pas que je peux pas aller par là. Merde, c'est par où? Attendez, je pouvais y aller tout à l'heure. Ah non, d'accord, c'est parce qu'il fallait attendre les autres clampins là. D'ailleurs, je sais même pas où ils sont, ils font le tour comme des glands. Je suis sûr qu'ils font le tour. Non. Apparemment, non. Ok, on avance, ok, c'est là-bas. Je sais. Complètement paumé. Complètement, c'est pas grave. Ok, ça sent la merde. Enfin, je veux dire dans le jeu, hein, bien sûr. Rassembler l'équipe. Ouais, bah ouais. Ils sont où? Ok, c'est bon, ils me suivent comme des petits chiens.
Eradan est là, l'elfe suit derrière. Ok, en fait, ils ont fait le méga gros détour. Je vais quand même les attendre. Si vous pouviez vous manier le Dersh, voilà, ça m'arrangerait. Super. Allez hop, colonie de vacances. Petites araignées. Toutes mignonnes, les araignées. Viens là. Non. Ok, alors. Orque droit devant. Ah, bah c'est bon. Ok, ils se font défoncer par les araignées, donc. Cri de guerre. Allez, les petits coups de hache qui font plaisir. La petite roulette. Enfin, l'attaque tournoyante. Voilà, je cherchais le mot. Toi, tu vas décéder sur le champ. Un maillotin des rebords. Intéressant. Yeah. Bon. Voilà, toi tu n'étais qu'une une faute de frappe dans l'histoire. Voilà, que j'ai corrigé. Bon, c'est pas terminé, il y a encore les araignées qui vont me faire chier. Barrez-vous de ce territoire. Je vous envahis les copines. Je suis passé niveau 18, le truc de taré. Qui me rend toute ma santé et toute ma... toute, comment ça s'appelle déjà, ma puissance si je, Yeah! Eh, vraiment intéressante cette petite attaque pour ce genre d'ennemi. Oui, c'est très utile. Oh là là. Ah, la petite potion de puissance. Bon. Pas prête. Voilà. Vas-y. Décède sur le champ, s'il te plaît. Si tu pouvais me faire un petit truc de la lumière là. Dans la sphère de lumière, voilà. Oh la vache. Ah, ben voilà, il suffit de demander, vous avez vu? C'est pas compliqué, il suffit de demander. Putain, et il y a l'autre qui se ramène là. Cri de guerre. Attaque tournoyante. Qu'est-ce qu'il fait quoi l'autre? Attends, mais tu déconnes, elles sont toutes sur moi. Attends, merde. Je vais t'aider, j'arrive. Deux secondes, je me fais l'autre. Je me fais sa copine. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, c'est elle qui était en train de défoncer notre pauvre Raden. Le nombre de flèches qu'elle a sur la tronche. Ça fait longtemps que tu m'es redevable, cher Eradan. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, alors là, on a plein de chemins. On prend toujours celui de droite. Ah, attendez, je suis niveau... Ah, bah, Eradan est monté de niveau aussi. Tac, la résistance. Et non, je privilégie la résistance. Donc, 542 d'armure. J'ai toujours un peu plus de dégâts, toujours plus de santé. Ok, donc j'avais privilégié, j'avais dit la régénération passive de santé. Remplacer le balayage par une série de... Non, ça je m'en fous. Lors du crit de guerre, vos attaques rapprochées infligent des dégâts aux ennemis proches. Ah, pas mal ça. Activez le crit de guerre près d'un allié pour le réanimer instantanément. Tire un projet de... Ouais, ça je m'en fous. Crit de guerre déplace l'attention des ennemis. Ça c'est... Dino, les couloirs. Réduit le... Ça me plaît pas mal. On va prendre ça. Allez hop. Parce que en fait le gameplay du nain est basé sur son cri de guerre. Oh là là, les araignées quoi. Cri de guerre. Ah merde. J'ai plus de puissance. Maintenant j'en ai. Voilà. Caméra un peu moisie. Hop. Pendant ce temps là moi je prends en même temps le stuff. Voilà, allez dire bonjour au diable. Bon. Ah voilà. Putain, ces bruits d'araignée, mon dieu. Oh, le finish. Putain, c'est n'importe quoi. La montée de niveau, je vous ai dit, c'est n'importe quoi. Toujours des carreaux. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Beaucoup de fric, des jambières, des sgarottes et des potions de puissance. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ici, on ne peut pas passer. Est-ce qu'il y a du stuff? Nope. Eh bien, écoutez, on continue. Faut que j'essaie de choper vraiment tous les secrets. Oula, ça pue, ça. Là-bas, il y a du stuff. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de récupérer le max de carreaux. Et de potions aussi. Voilà, 55 d'XP. Mort critique. Ah, ça, c'est con. Cri de guerre. Ah, ah. Allez, meurs. Meurs. Voilà. Il suffit de demander. 174 d'XP pour une araignée à la con. C'est bien ça.
La popo de puissance. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, encore une. Oh, je suis deg. Oh non, s'il vous plaît, j'ai loupé l'XP pour rien. Vous êtes sérieux là? Allez, on avance. Ces toiles forment une ligne de défense. Oui. Nous approchons du repère de l'araignée. Ah ouais, bah du coup on va faire le boss et on va s'arrêter là-dessus. Hein. Enfin, je pense que ça fera une heure. Continuez. Ah ouais, je peux changer de perso. Alors est-ce que c'est vraiment trouver deux? Ah merde, il y avait quatre secrets, j'en ai trouvé deux. Fuck. Bon bah pas grave. Hein. Tant pis. Alors est-ce que je change de perso pour le boss? Allez, un peu d'épicness. On va prendre Eradan. Ah merde, ça te fait quitter tout. Ah non, l'elfe, j'avais dit. On est des gros malades, les gars. On va prendre l'elfe que j'ai peut-être jamais joué pour aller se faire le boss. Oui, je sais. Je suis un taré. Ça se trouve, je vais complètement le regretter. Ouais, d'accord. Alors, déjà. Pas. Bah oui, du coup, personne n'a joué. Elle a aucun point. 36 points disponibles, vous vous rendez compte? Bon, alors, toi, il n'y a pas photo. Volonté. Ouais, volonté à mort. Voilà, 42. Résistance. Ouais, il te faut un peu de résistance. Dextérité augmente les dégâts des armes de combat. Ouais, ça, on va te mettre aussi. Voilà. Et encore un peu. Et le reste là-dedans. Ouais. T'avais 36 points quand même. Hein. Allez, hop, confirmé parce que volonté, c'est ce qu'il te faut le plus. Hein. Alors, voyons voir tes compétences. Débloque et augmente la guérison apportée par le sanctuaire. Ça, c'est mortel. T'as 12 points. Ça, on le met au max. Les compétences utilisées par les membres de la communauté exigent moins de puissance. Ça peut être pas mal. Appuyez sur LB plus B pour obtenir un bonus d'armure temporaire. C'est bien, ça augmente la capacité de régénération passive de la puissance de l'aile. Ça, c'est cool. Je le mets deux fois. Appuyez sur... ah oui, ça, c'est le truc santé... Ouais, en fait, moi, je vais vraiment la baser sur le support et beaucoup moins sur l'attaque. Hein. Il faut que je supporte mon équipe plus que... Enfin, on minimise... Enfin, en gros, voilà, faut que je privilégie les soins et les buffs plutôt que les dégâts. Vous m'avez compris. Putain, j'ai du mal à m'exprimer. Appuie sur A pour guérir instantanément les membres. Oh, ça, c'est bien. Ça, j'augmente au max. Augmente la durée du sanctuaire. Ça, j'augmente au max. Bonus d'armure temporaire. Attends, je vais peut-être pas mettre non plus supprimer. On va en enlever un. On va mettre ça... Attends, du coup, possibilité à chaque fois que tu passes ça, c'est l'article la prochaine. Ouais, ça, je m'en fous. Et puis, pour repousser les adversaires. Ouais, bon, augmente les dégâts. Ouais, bon, le reste, c'est pour les dégâts. Je vous dis pour l'instant, je max ça. Et ça. Allez, hop, confirmé. Maintenant, on passe au stuff. D'accord. Bon. Et elle met le truc le plus moisi. Donc, tu as le plastron d'Imladris. Qui te donne 138 d'armure. Voilà, ben voilà, t'es magnifique comme ça. Voyons, plus 15 de dégâts, bon, ça va pas trop te servir. C'est pas très grave. Les colliers, toi, tu peux porter un max de petits bijoux en plus. Tous ceux que je t'ai filés, bon, évidemment, t'as le truc le plus pourri. Au niveau des bâtons. Pourquoi t'as pas le... Et voilà, tu peux porter un deuxième anneau qui te fait plus de santé. Au niveau des frocs, bon, autant prendre ça. Voilà, des bonnes bottes. Niveau gantelet, tu peux rien avoir, malheureusement. Ah, ben voilà, du coup, 15 dégâts par le feu, 5 de volonté. Ça, je vais te le mettre sur ton plastron. Voilà, tu as plus de volonté. Plus 5 de dextérité, je vais te le mettre sur tes bottes. Autant utiliser ça. Hein. Voilà. Et ça, ça, on s'en fout. Dégâts de feu, bref, on s'en fout. Bah, c'est bon, hein. Compétences. Et voilà, elle est pas mieux comme ça avec son stuff. Bon, il est pas très puissant. Va falloir vraiment que je lui trouve du stuff beaucoup plus potable. Et pourquoi toi t'as... Putain, mais ils sont cons les ordi. Toi, tu prends la vieille épée. Alors, bah, vraiment, faut que je vende toutes ces armes à la con. Hein. Et que pour qu'il puisse... Mais il a changé complètement de stuff, le type. Mais en fait, les IA sont un petit peu teubés. Hein, il faut le lire. J'ai l'impression qu'il a changé de stuff, je crois. Le nain, alors qu'il a un stuff complètement badass de la mort qui tue que je l'ai fait. Bon, c'est pas grave, on va tester la... Ouais, ça va être épique. Ça va être épique. Ah bah tiens, en parlant d'hôtel. Retourner à Nordimbad. Ah ouais, je peux me téléporter. Ah ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup du coup? Attendez, on va vendre. Nécessite 21 de résistance. Ça, je vais le garder, écoutez, tiens.
Je me suis trompé. Ouais, c'est pas grave. Ça, je le vends. Ça, je le vends. Tout ça, je le vends. Ça, je le vends. Je le vends. Elle utilisera que des bâtons, elle. Hein. C'est pas mal ça. Il va falloir que j'augmente sa résistance. Attendez, j'aimerais bien. Est-ce que je pourrais me re-téléporter ici? Putain, j'ai un doute. J'ai un putain de doute. Oh, au pire, c'est pas grave. Hein. On fera ça la prochaine fois, ouais. Ah, c'est pas grave. On fera ça la prochaine fois. Let's go. Oula, il y a des. Cette zone. Ouais, c'est un peu bizarre au niveau de l'image. J'ai pas trouvé tous les secrets dans la zone précédente, ça m'énerve. D'accord. Allez, c'est parti pour le boss, vous êtes prêts? On crache un petit coup. En mode gros dégueu. Et l'autre, il a mis sa casquette là, son truc immonde. Ils font n'importe quoi. La piste mène jusque là, j'en suis sûr. Quelle perspicacité. Le mec, il se rend pas compte qu'il va dans une putain d'arène avec une énorme araignée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a tous fait des erreurs dans notre vie. Le magicien. C'est... Ah oui, il est à l'envers. Non, non, mes chéris. C'est mon repas. Ah, excellent le doublage. C'est mon repas. Et l'autre, il a encore changé d'arme. Le magicien doit mourir. Prenez-le et dévorez-le. C'est son ordre. Et je vais le faire. Mais pas encore. Pas encore. Oui. Laissons-le attendre encore. Laissons-le. Ou le regard. Pour mon plaisir. Cet orgasme qu'elle nous fait là. T'as les yeux qui tremblent là, qu'est-ce qui t'arrive? Constitue à peine un maigre repas pour quelqu'un de mon calibre. T'es quoi tous ces entendus sexuels un peu dégueux là? D'accord, ok, bah allez, c'est parti pour la défoncer. Lui, il a encore changé d'arme dans la cinématique. Allez. Donc, on frappe. Oh. Oups. Faut que je fasse gaffe à la puissance. Du coup, les potions sont partagées. Putain, je vous fais rien. Oh, mais en fait, elle est naze. Prends ça. Dégâts magiques. Ah oui. Ah oui, mais ça muse de la magie. Mais putain, ça fait vachement de dégâts. Mon dieu, c'est OP. Oh, j'ai pas eu le temps de lui faire. Entrez dans la sphère de lumière. Allez hop, on passe. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh oh oh, c'est quoi? X. Putain, le QTE de la mort. J'ai cru que j'allais décéder sur place. Je vais crever. Putain, va falloir lui trouver un stuff digne de ce nom à celle-là, parce que putain, elle sert à rien. Oups. Non, attends. Non. Non, mais pas le coup de pied, connasse. Mitraillette. Entrez dans la sphère de lumière. Putain, elle fait des dégâts. Oh putain, elle fait des dégâts à la coquine. Oh là 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 là. Putain, ça régène tellement. Allez. Non, pas le coup de pied. Attends. Oh, le coup critique à 162 à la PM. Attention. Attends. Merde. Putain, qu'est-ce qu'elle fait là? Attends. Elle essaie de lui enfoncer son dard dans le... Bref. Au final, ça va. Entrez dans la sphère de lumière. Je dois vous défoncer les oreilles, je m'en excuse.
Putain, elle meurt pas. Elle est décède. Oh, je suis dégoûté, j'ai même pas fini. Sauver Radagast. Oh, le putain de... Comment ça s'appelle le succès, voilà. Attends, deux secondes. D'abord, on finit les araignées, on prend tout le stuff, parce que sinon, je sens qu'on va se faire couiller là-dessus. Voilà. Oh, bah tiens, en plus, tu me files des gantelets, moi. Bah voilà. Bah voilà, tous ces... Oh, flûte. Attention, déposez-le lentement. Mais il a une sale tête. Il vit encore. Oui, et il revient à lui. Oh, vous avez des têtes de winner, les mecs. Complètement buggé. Vous sentez-vous bien? Oh, quelle expérience déplaisante. J'éprouverai plus de pitié envers les mouches à l'avenir. Pourquoi vous pourchasse-t-il? Quelle était cette créature? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai juste envie de demander ça. J'ai entendu dire que Mirkwood abritait de nombreuses araignées, mais je ne m'attendais pas à ça. Y en a-t-il d'autres de ce type dans les environs? Oh, je ne l'espère pas. C'était Senatra, la reine des araignées. Ouais, c'est... Mes amis parmi les créatures... C'est la cousine au sixième degré d'Arachné, quoi. De nombreux contes effrayants sur elle. Mais je n'avais jamais eu la malchance de la rencontrer. Je suis plutôt surpris de la retrouver ici. T'as vu, c'est drôle. D'après les récits, son repère se trouvait dans les montagnes escarpées près de Dol Guldur, loin au sud. D'accord. Que vous est-il arrivé? Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Senatra m'a attrapé et m'a rendu inconscient, j'en ai bien peur. Je ne pensais vraiment pas rencontrer une bête de ce type dans cette partie du monde. Non, vraiment pas. Voyez-vous, je suis venu ici pour éviter des ennuis. Les ténèbres s'étendent sur Mirkwood. Enfin, je veux dire, des ténèbres plus sombres que les ténèbres habituelles. Et elles proviennent de Dol Guldur, au sud. Rose Gobel, ma demeure habituelle, est un peu trop près de Dol Guldur pour rester sûr. Je suis donc venu ici. J'ai plusieurs abris de ce genre. On ne peut jamais être trop... Ah, c'est la voix du capitaine Haddock. Voilà, je me demandais depuis tout à l'heure. Mais est-ce que je vous connais? Non, Radagast. Mais vous me connaissez. Hey. Oh, jeune Beleram, c'est un plaisir de vous voir. Mouais. Vous faites donc aussi partie de ce petit groupe. Oh, c'est un beau mélange, n'est-ce pas? Ouais, c'est le chien. Pas souvent des, des nains et des hommes vadrouillant ensemble, surtout à Mirkwood. Et si l'on y ajoute un aigle... Ben quoi, t'as un problème? Ce jour s'avère être assez extraordinaire, en fait. Mais tout bien considéré. Oui, oui. Dans certains points de vue. Je suis content que nous soyons arrivés à temps. Mes amis et moi avons une mission, et nous sommes venus demander votre aide. Nous cherchons le dragon Urghost, qui vit dans les montagnes grises. Mais nous n'avons pas le temps de mener une recherche approfondie. Putain, c'est quoi ces dialogues? Vous voulez trouver un dragon? Ouais. Est-ce bien raisonnable? Ouais. Vous êtes peut-être un peu empoisonné. T'as l'air drogué, Jean-Mi, hein. Je trouve. Que ce soit sage ou non, c'est notre mission. Voilà. Allez, puis tentez. Savez-vous où vit le dragon? Eh bien, c'est un dragon, donc je dirais dans les montagnes grises. D'accord. Pour tout ça, pour ça. Ok. Nous savions déjà tout cela. Ouais, voilà, merci. Il se trouve précisément dans les montagnes grises. Je n'en ai pas la moindre idée. Ok, vraiment. Ok, d'accord. Non, non, mais voilà. Je suis dégoûté. Alors, et toi, t'as encore changé de casque, espèce de... Et on... Oh, attendez, mais... Pas si vite. Je ne sais peut-être pas où vit Urghost, mais je peux le découvrir. Ouais, bah j'espère bien. Mais il me faudrait mon bâton pour ça. Ah, bah tiens. Je crois l'avoir perdu. Mon bâton. Nous avons votre nous bâton. Nous avons trouvé votre bâton et l'avons rapporté. Je savais que vous en auriez besoin lorsque nous vous trouverions. Oh, parfait. N'êtes-vous pas le cerveau du groupe? Si. Rusé comme un renard. Je m'appelle Hermione Granger, quoi. Je le vois. Oh, je vous suis. Je suis la Hermione Granger de Sinarzano, ouais. Waouh, putain, swag le bâton. Très bien. Voyons ce que nous pouvons découvrir dans ce cas. Mes amis savent sûrement quelques petites choses. Putain, c'est un ouf. Il arrive à faire un... Oh, comment ça s'appelle déjà?
pour apprivoiser les oiseaux, vous savez, le... La petite flûte, là. Non, mais comment ça... Putain, c'est fou, je perds mes mots, mais de plus en plus. Comment ça s'appelle? Pour apprivoiser les oiseaux, As-tu des nouvelles pour moi, mon petit? Ah, je rechercherai ça sur Google parce que ça m'intrigue. Décidément. J'ai tout compris, là, ce qu'il a dit. Ah oui, je vois. D'accord. Oh oui, en effet. Ouais, c'est bah ouais. Très courageux. D'accord. Bien joué, petit. Oui, super. On a rien compris. Voilà, vous savez tout. Ah oui. Vous pourriez peut-être donner des explications à ceux qui ne parlent pas le langage des hirondelles. Ouh. C'est vraiment dommage. Ah bah oui, c'est dommage. Ce sont des créatures adorables. Elles ont de la conversation. Ouais, il est taré en fait. Tenez, je vous montre. Attends, dans l'eau et tout. Attends, mais c'est un. Ouais, c'est un taré. Hein. Faut le dire. Il est fou. Oh, la cinématique. Attendez, je me tais. Avez-vous réfléchi à mon offre? Vous marchandez avec ce que vous ne possédez pas, homme du sud. Oh là là, j'aurai votre récompense. Je me tais. Réfléchissez bien avant de décliner cette offre, dragon. Aussi puissant soyez-vous, il serait plus prudent pour vous d'éviter d'offenser mon maître. Je n'ai pas dit que je refusais, mais que vous deviez d'abord obtenir ma récompense avant de pouvoir me la donner. Une formalité. Je pars chercher votre récompense, mais je vais laisser des hommes ici pour attendre votre réponse. Réfléchissez, mais pas trop longtemps. Je suis le maître de mon temps et de mes pensées. Pour l'instant. Le mec n'a aucun respect quand tu vois la tronche du dragon s'amuser. Putain, ce dragon. Oh là là. Fouh. Ben. My god. C'était génial, hein. Bon. Quête terminée, Mirkwood. Prendre objet. Je prends tout ce qu'il y a. Puis on va se laisser là, hein. Mon dieu. Épisode riche en action, hein. God. Potion de santé. Oui, parler à Beleram. Les montagnes grises se rendent. Les montagnes grises se rendent dans les montagnes grises. Ouais, les montagnes grises, parler à Beleram. La petite hirondelle de la grotte m'a dit où se trouvait le repère. Toi, qu'est-ce que tu peux me dire? Je peux vous y conduire lorsque vous serez prêt à partir. Oh, encore là. Je pensais que vous... Ouais, bon, adieu. Hein. Adieu, Radagast. Bon, en fait, il a rien à nous dire. Ok, bah, on va se tailler. Voyez, attendez, est-ce que je peux... Ouais, attendez. Le guet de Cern, merde, c'est où les Galgal, Frost, Fornost, Foncombe, Land des Étennes. Putain, c'est où déjà? Bré. Au lieu d'aller tout de suite dans les montagnes grises, on va aller au... Les Galgal. Non, c'est pas là, les Galgal. Le guet de Cern. Est-ce que c'est là? C'est pas là. Les Landes des Étennes. Je sais plus. On va aller à Bray. Bah super. Bah du coup on va se... Ouais attendez, on va aller à Bray. Et puis on va se quitter là-dessus. Ça va faire 2 épisodes d'une heure. Ok, nous sommes à Bray. J'espère qu'on va pouvoir se casser. Donc normalement si je fais ça, je peux me téléporter où je veux normalement. Ouais, super. Du coup, bah les gars, on va se laisser là-dessus. Hein. T'as elle est un peu buggée, j'ai l'impression, notre ami Andriel. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, comme je l'ai apprécié d'ailleurs. Hein. J'ai vraiment adoré jouer là. J'étais bien dedans, donc n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je referai une session d'ici quelques jours. Enfin voilà, le petit j'aime, le petit commentaire, et puis à la prochaine et port. Portez-vous bien. Allez, salut à tous. Je me demande si les villes des hommes sont toujours aussi mourantes.